Pardon, mon colonel. Je peux vous voir en cours de manœuvre. C'est très gentil de votre part. Oh, excusez-moi, je ne vous ai pas dit bonjour, pardon. Enfin, bonjour. Non, excusez-moi, je ne suis pas encore complètement familier avec vos rites, hein, mais... Je sens que ça commence à venir. Oui, je suis le chasseur de la guéronnière. J'ai été incorporé à quoi? Une semaine. Et j'avoue qu'il y a deux, trois petites choses dont j'aimerais vous entretenir. C'est pas grave, grave, hein. Mais si vous prenez en compte ce que je vais vous dire, je pense qu'on peut aller vers un peu plus de confort. Non, c'est pas un de vos principaux buts, je sais. Mais ça peut être un plus pour le moral des troupes. Essayez-vous, hein, si vous voulez, c'est pas important. En tout cas, moi, je m'assois, parce que alors, j'ai fait des exercices toute la journée. Je suis éreinté. Oui. D'abord, un truc tout bête, c'est la tenue que vous nous faites porter. Qui est très sport, hein, j'en conviens. Mais alors, la couleur. Qui s'est occupé du choix de la couleur? Parce que alors, kaki, vous n'avez pas tapé dans ce cadre plus reluisant. Hein. Alors moi, au début, j'avais pensé à un blanc cassé. Mais j'ai peur que ça soit un peu salissant pour les exercices que vous nous faites faire. Mais par exemple, un petit rouge bordeaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est vrai que ça n'a pas facilité le camouflage. On peut rester dans le vert, tant pis, c'est pas la couleur que je voulais faire. Un petit vert bouteille, ce sera plus avenant. Non, écoutez, arrêtez de dire non comme ça, sans réfléchir, chaque fois. Parce que moi, à mes heures de repos, je fais un peu de couture. Je vais vous montrer un modèle, on décidera après. Non? J'insiste pas, alors. Bon. De toute façon, c'était une première chose. Maintenant, c'est au sujet de la cantine. On est beaucoup trop serré à table. Hein. Bah déjà, les bancs, ça, j'imagine, c'est une question de budget, mais sincèrement, des tables de 6, on est quoi? 10 dessus. Non, j'ai conscience qu'on n'est pas à l'hôtel. Mais regardez bien. On est serré. Donc, on mange mal. Donc, on digère mal. Oui, ah ben, le résultat, on le verra au combat. On est ballonné. Puis vous habitez tellement d'espace pendant toutes ces manœuvres, toutes ces forêts, tous ces champs de mines, que nous, on arrive à la cantine en claustrophobe. Si vous pouviez en glisser un mot à l'architecte, je pense que ça ne serait pas du luxe. Bon, la tenue, la cantine, ça s'est réglé. Ah, tous les matins, il y a un type, faut absolument trouver qui c'est, qui, sur les coups de 6 heures, joue de la trompette ou du saxophone, je ne sais pas ce que c'est comme instrument. Et ça réveille tout le monde. En plus, il joue pratiquement toujours la même chose, c'est irritant. Faut faire quelque chose, hein. Ah, c'est du clairon. C'est possible. Je ne suis pas très mélomane. Il le fait exprès. Il est fou, ce type. Ah, oui, mais là, non, hein. À ce moment-là, 6 heures, c'est beaucoup trop tôt. Moi, je vois, si j'ai pas mes 8 heures semaine, je suis qu'à 50% de mes capacités. Non, 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 mais vous êtes très agréable pour un militaire, c'est pas la question. Mais je trouve que vous exagérez un peu, là, quand même. Pardon? Hein? Vous allez m'offrir une chambre individuelle? J'en demandais pas tant. Pendant une semaine, j'aurais rien à faire. Non, non, c'est très aimable de votre part. J'entends pas non plus citer de la jalousie chez mes camarades, ils sont très... Enfin, vous incitez, j'accepte. Mais c'est nouveau, ces petits lotissements individuels, c'est quoi? Ah, ça existe depuis toujours, hein. Et comment ça s'appelle? Le... Newf? Ça sonne bien. C'est pas un geste que vous allez regretter, hein. Bon, bah écoutez, je parle ce pas à mon... Newf. Passez-vous à l'occasion.